Eh bien bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, cette journée-là, donc je vais suivre la fédération de pêche du Cher. On va faire une pêche de sauvetage donc sur le canal latéral à la Loire. Donc il y a la VNF, les Voies Navigables de France qui sont en train de faire des travaux au niveau des écluses. Donc du coup, ils ont vidé des bras du canal. Donc il y a beaucoup moins d'eau, il y a des poches qui restent avec beaucoup de poissons pour éviter le braconnage. Du coup, on va pêcher ces poches et puis on va relâcher les poissons donc un peu plus haut dans d'autres portions du canal, plus en amont. Allez, c'est parti, on y va. On croirait un cendre charbonnier, mais non, c'est juste un cendre vaseux. Reste là, toi. Faut être musclé, hein. Là, il y a poisson. Il va bientôt y avoir plus de poissons que d'eau. Ah, ouais. Ah, une bonne carpée. Il a pris un peu. Ça, c'est des pizzas. Tenez tout, je tiens. Ah, j'ai plus d'eau là. Il y en a qui ont été vraiment au front là. Ouais. Bravo. Ah, c'est ça le boulot. On reconnaît les gars courageux. Tu mets les mains dans la vase. Ah, c'est ça. Bon bah voilà, donc première pêche sur une poche donc sous un pont. Hein. Et on a fait quelques poissons. Le canal il est en chômage, on appelle ça un chômage, parce que VNF fait des travaux, Voies Navigables de France. Ils font des travaux sûrement sur une écluse, ils sont en train de la restaurer. Peut-être qu'ils veulent l'automatiser. Donc nous, bah, on arrive, on fait une pêche au filet, on rabat les poissons, et puis quand on les a rabattus sur une espèce de plagette là-bas, on les rassemble et on les attrape, on les met dans des cuves et puis on les déplace sur un autre spot. Voilà. Donc là, on va tranquillement se déplacer sur un bief qui est encore en eau, et puis on va partir pour une deuxième pêche. Voilà. Ok, merci Bastien. Et bien voilà, donc on va pêcher une deuxième poche d'eau, et je sais pas si vous voyez là les amis, donc il y a beaucoup de poissons. Donc on va essayer de prendre ces poissons là, donc a priori des belles carpes et des jolis silures. Si c'est qu'il y a du caillou, des fois c'est des mobilettes. Alors mon cri-cri. Et t'as l'impression en fait qu'il n'y a pas de poisson. Et c'est quand tu arrives sur le final que tu vois que ça grouille. Magnifique cendre. Ah ouais. Il est noir celui-là. Hein. Magnifique. Mais il est végétarien, il mange des feuilles celui-là. Je sais pas ce qu'il a au niveau des yeux. Oh, il a les yeux, mais
Ouais. Alors du coup là-bas on a retrouvé beaucoup plus d'espèces de seconde catégorie d'eau beaucoup plus lentiques, plus typées étang, donc tout ce qui est grosse brème, carpe, on retrouve du cendre, qu'on retrouve beaucoup moins maintenant dans le département, qui était présent sur le Cher. On retrouve pas mal de poissons blancs, beaucoup moins de silures que l'année dernière sur un bief qui était à côté. On retrouve des plus petits individus, donc on constate qu'il y a un équilibre plus important entre les différentes populations. Après, ça reste un milieu artificiel, donc c'est des poissons qui ont été introduits. La reproduction du brochet se fait mal étant donné qu'il n'y a pas trop d'habitat. On le voit, on retrouve très peu de brochets sur le canal parce que bah, il n'y a pas de frayère à brochets, il n'y a pas d'herbier l'hiver qui permet la reproduction. Donc là, Bastien, si demain j'ai envie de venir pêcher les poissons qui restent dans les trous, est-ce que j'ai le droit de pêcher ? Alors non, quand il y a un abaissement volontaire de la part de ceux qui gèrent les canaux, la pêche est interdite sur les secteurs où il y a un chômage, donc un abaissement de l'eau sur le secteur du canal. Après, où il y a les biefs encore en eau, là on a le droit de pêcher, mais dans les endroits où il y a un abaissement volontaire, la pêche est interdite. C'est notre technique pour nettoyer les waders. Ah, pas mal. Et je fais pareil avec les bottes, mais là avec le wader, c'est vrai que j'avais jamais. Regarde, tu en envie. T'en apprends tous les jours. Hein. Eh oui. Bon, bah voilà, donc on vient de pêcher deux poches. Donc là, on va relâcher les poissons juste ici, donc un peu plus bas. Donc je vais vous faire voir un peu ces beaux poissons qu'on a réussi à récupérer. Voilà, donc là, vous avez la bouteille oxygène qui est indispensable. Voilà, si on veut charger un petit peu le bac. Ça, du coup, c'est le problème qui y a pas mal dans les pêches d'étang aussi. Qui peut arriver sur les carpes ou quoi quand il y a des chats. Et pendant comme ça, quand les poissons sont concentrés, bah là il y a les poissons chats qui peuvent rentrer dans la bouche. Et du coup bah ça les pique, mais c'est surtout que bah là ils sont un peu vite à être condamnés. Alors il mesure combien celui-là? Il fait 80, 75, 80. Ouais, c'est un beau poisson. On va relâcher là. Allez. Bruno, alors tu l'as pesé? Combien cette carte? 16 kilos. 16. 16 kilos. Joli poisson du canal. Joli poisson. Bon, et ben voilà, donc on devrait faire une deuxième portion du canal. Mais là, il y a Bastien qui est en train de regarder. A priori, ça s'enfonce quand même beaucoup. Donc je sais pas comment on va gérer cette partie-là au filet. Je sais pas comment les gars vont faire. Donc bon, ils sont en train de sonder le fond et on va voir si on peut pêcher cette partie, mais a priori il y a du poisson. Moi j'ai une carpe là mon gars. Là là, à midi. C'est vrai? J'ai pas la tête. Il y a de la vase, Christian. Regarde. Passe dans le canal. Il est énorme. Il est énorme. Ah, il est gros sand là. C'est l'orgie. C'est l'orgie. Il y a du poisson, mais partout. Et Pierre, je crois bien qu'il est à l'eau. Ah, tu veux un petit coup ou pas? Ça ira tout à l'heure. C'est du métier là. T'as pas besoin de te maquiller pour ce soir. Un petit lèvre, par contre. Ah, tu sais plus durer. Bon, et bien voilà, donc le troisième trou là, a été vraiment très productif. On a pris plein de gros cendres, des silures, des très grosses carpes. Donc là, on va le relâcher ça juste derrière au canal. Un as dans le canal. Voilà. Ouais, il faut dire aussi que c'est le canal latéral à la Loire. Donc il a pu remonter. Il faut trouver une muse pour remonter quand même dans le canal. Oui, il est joli. Il est jaune à l'eau.
alors Pierre, ce petit bilan là de notre pêche de sauvetage sur le canal, qu'est-ce qu'on a pensé par rapport à il y a deux ans? Par rapport à deux ans quand tu étais venu, toi tu as connu une pêche d'écluse avec beaucoup de blancs et puis une pêche sur un bief où on n'avait pas fait énormément de poissons. Et ben là tu as été gâté, là on a fait je pense une grosse tonne, je pense. Pas facile d'évaluer, mais bon, on a rempli 4 cuves bien remplies, donc je pense qu'on a, on peut estimer à une bonne tonne de poissons. Donc, avec pas mal d'espèces, les mêmes que d'habitude, en majorité brême, cendre, silure, carpe et du blanc. Après, bon, voilà, beaucoup de chats, mais sinon, c'est 4 espèces principalement qui sont représentées. Donc, voilà, on peut dire qu'on a fait une jolie pêche. Je pense que mon visage, quand on finit comme ça, c'est quoi là? On était au cœur de l'action. Donc voilà. On a terminé sur une pêche qui était un peu difficile, voilà, avec beaucoup de vases. Un spot un peu différent dessous les ponts où c'est quand même pas mal piré et du coup c'est plus dur, plus dur à marcher sur le sol, donc c'est plus simple pour nous. Mais il y avait des beaux poissons, des beaux cendres d'Andabron. Voilà, on a fait des jolies cendres jusqu'à plus de 80 cm les plus gros. Voilà, des carpes jusqu'à 16 kg la plus grosse. Silure, pas des poissons monstrueux, jusqu'à 1m30, 1m40 je crois. Et puis voilà, et puis une petite particularité, pour une fois, c'est la première fois, on fait un joli aspe dans les 65, je dirais peut-être, je sais pas. D'accord, merci. Et ben de rien, merci à toi. Bon, et bien voilà, donc fin de la journée, donc une journée assez chargée, voilà, avec la Fédé. On a pêché trois poches du canal, on a vu beaucoup de poissons, des poissons un peu différents d'il y a deux ans, donc pas mal de cendres, donc c'est vrai que ça c'était une belle surprise. Et là, voilà, on se retrouve donc juste à côté de la Loire, on va se faire un petit pique-nique, je crois qu'on l'a bien mérité, un petit pique-nique avec cette vase qui collait aux bottes. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, et puis on se dit à bientôt, ciao.